beau matin à toutes et tous. On se retrouve, eh bien, pour cette petite guidance, le message de ce jour. Nous sommes mardi 9 janvier 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, je me libère totalement de tout jugement, colère, culpabilité et totalement du passé. Aujourd'hui, j'ai pigé vos rêves. Eh bien, est-ce que vous savez que votre âme aime quand vous avez du plaisir à vivre sur cette terre en co-créant avec l'univers pour réaliser vos rêves? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que votre âme apprécie quand vous savourez la vie et quand vous osez avancer vers ce qui fait sens pour vous? Vous savez, chaque personne suit son chemin d'évolution. Eh bien, honorez le destin de vos proches et ayez le courage d'avancer sur votre chemin de vie. Je vais vous l'accorder, il est plus tentant de prendre soin des autres que d'avancer vers la réalisation de ses projets, de ses propres rêves. Les retardant, pourquoi pas par la même occasion, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est bien raisonnable? Non. Quels sont vos rêves à vous actuellement? Quels sont vos rêves présentement? Est-ce que vous avez le courage d'en suivre certains, ou alors est-ce que vous laissez la vie prendre le dessus? Ne dit-on pas « Vivez vos rêves et ne rêvez pas votre vie. » Prenez une feuille blanche et notez au centre mes rêves. Et puis, vous prenez une grande inspiration, une inspiration profonde, et posez une main près de votre cœur. Puis, respirez et sentez cette chaleur de la vie. Vous êtes vivant et vous pouvez avoir du plaisir à vivre sur cette terre si vous le désirez. Si vous êtes conscient que vous avez le pouvoir. Dessinez un premier cercle et écrivez votre premier rêve. Alors, utilisez votre imagination et votre créativité, eh bien, pour noter tous vos rêves, qu'il soit d'enfant ou actuel. Et puis, pour chaque rêve, évaluez votre pourcentage de joie à le réaliser. Et aussi le pourcentage de faisabilité. Est-il proche de votre réalité actuelle? Est-il facilement réalisable? Alors, je vais vous donner un exemple. Nager avec les baleines à Tahiti. Est-ce que ça vous apporterait 100% de joie? Et est-ce que ce serait réalisable à 70%? Voilà un exemple.
vivez vos rêves. Il est grand temps que vous pensiez à vous et un peu moins aux autres. Ne laissez pas la vie prendre le dessus. Vous, prenez les rênes de votre vie ici sur Terre. N'oubliez jamais que vous êtes le capitaine de votre vaisseau. C'est vous qui le dirigez. Petit mantra pour la journée. Je peux rêver en grand. Je peux rêver en grand. Je peux rêver en grand. Quel beau message encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Waouh, waouh, waouh. Nos rêves, on peut les réaliser. Si on le veut vraiment, au plus profond de nous. Je vais dire, c'est comme la carte de l'établi du tarot. On a tout sur l'établi, on a tous les outils. Et c'est à nous à les utiliser. On nous donne les moyens de le faire. Faisons-le. Vivons nos rêves. Très beau message, je termine par l'oracle des amoureux et aujourd'hui, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors, ça c'est un beau message, hein? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors, moi, je vois, pour certains d'entre vous qui, si vous êtes célibataire, il pourrait avoir des rencontres dans l'air. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain avec un nouveau message, une nouvelle guidance. D'ici là, portez-vous bien et moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain.